Eh bien oui, bienvenue en ce jeudi 9 août, en de grâce de Manilbach 18 du réveil de retour de l'esprit. Et donc, après ce que j'ai écrit hier, compliqué. J'ai vu l'eau qui monte, les feux, tout ça, il voit ça, il va tomber trois gouttes d'eau, des petits feux de brindilles, bon... Apocalypse de Saint-Jean, on y est, mais vous voulez pas comprendre l'espace-temps. Moi, j'y peux rien. Le moment génial, c'est quand j'ai vu qu'il avait retourné la boîte à lettres à Escrozy. Ça, c'est pas mal, quand même. Le lendemain que j'ai écrit ça. J'y peux rien, tout ce que j'écris, ça, je passe. C'est vachement dur à comprendre l'espace-temps. Putain, comme c'est puissant. C'est vraiment les 90% du cerveau qui vous servent à que dalle. C'est depuis 2011 que je me suis déprogrammé le disque mou. Là. J'ai dit non, c'est pas ça la vie sur Terre, c'est pas possible. Ça ne peut pas se résumer à, je sais pas, à du pognon et une grosse chatte poilue, enfin même rasée, parce que ça aussi c'est du business, c'est comme la mode. C'est pour vendre des rasoirs et de la mousse à poufias. Bon, franchement, une femme qui a des poils à la chatte ou sous les bras, je trouve ça très bien. C'est naturel, comme tout à l'heure là, il montrait à BHL TV, genre il retourne à l'ancienne, ah putain, ils sont habillés avec des nattes ou quoi, mais les femmes elles sont bien rasées sous les bras quand même. Ne tape pas l'œil, l'habit ne fait pas le moine, le machin, le truc, tu sais. Ah pas. C'est pour vendre, c'est comme la Saint-Valentin, c'est comme Noël, c'est comme Pâques, la rentrée, le ceci, le cela. C'est pour vendre. Mais l'âme n'est pas à vendre. Je parle en tant que chef d'état d'âme, ministre de l'Extérieur, crise de Nice. D'ailleurs, que je devais reprendre le diocèse en 2016, mais ça ne peut pas marcher. Vu que vous ne m'écoutez pas, maintenant on ne peut être que plus que collabo ou résistant. C'est tout. Ou t'es collabo, donc vous. Ou t'es pour la résistance, pour la vérité. Tu ne veux pas être dans le mensonge, parce qu'un mensonge attire toujours un plus gros mensonge, et ainsi de suite. Tu vois, t'as des gens, ils deviennent fous à cause de ça. Mais c'est normal, c'est parce qu'on n'apprend pas la subconscience à l'école. Tu comprends ? On n'apprend pas l'âme, sa résonance, ça. On n'apprend rien en fait, c'est fait exprès. Je suis sûr que Charlemagne, c'est un putain de franc-maçon de mes couilles aussi. Fais attention, il y en a, ils sont gentils. On les tutelle, les curatelle. Mais tout en haut de ta loge, espèce d'enculé du 33e étage. Mais va me niquer tes morts, va me manger ta race, toi. Quick. Le perméable, il m'a dit, attention, l'eau va monter. Le pervers, il dit, ouais, il répond à l'autre, il lui dit, bon bah, faute de les cramer, on va les arroser, qu'ils soient bénis. Il dit, ils sont bien arrosés en vacances. Dans le Gard, ça a chier. Hein. Puis il y a des endroits où ça brûle costaud. Hein. C'est, d'un côté, c'est les feux de la Saint-Jean, et de l'autre côté, on essore ce qui traîne. Tu vois. Il n'empêche que je suis toujours prophète dans mon pays, et ceux qui sont pas contents, qu'ils aillent tous se faire enculer. Voilà. Dans mon vaisseau, je suis le seul maître à bord. C'est moi qui pense. Je pense pas par la télé. Tu vois. Il y a quelqu'un dans le bocal. Il y a une entité dans le frigo. Je suis pas là pour raconter une histoire de gland, rien à foutre. Je pense pour vous, vu que vous pensez à rien. J'y peux rien, moi. Je l'ai pas demandé. Si, je l'ai demandé. Ouais, c'est le jour de l'an 2008. C'était un lundi vers la 11e heure. Ça s'appelle une grâce sanctifiante.
J'étais au Capetchou, hein. Mais le soir, j'avais installé la batterie et tout pour chanter Papa du ciel. Papa du ciel, c'est Noël, jour de l'an 2008. Et lendemain, le lundi, il est venu me voir. J'ai pris une putain de claque dans la gueule, c'est comme si je recevais tout l'amour du monde en plein dans la chaudron. Bon, depuis, je suis mort plusieurs fois encore. Ils m'ont fait le coup du camion à Coluche. Le jour de l'an 2000, quand même. Je suis le premier miraculé du monde. C'est la première 13e résurrection. Enfin, bref. Tout ça pour dire que, attends que je mette mon film, ils ont retourné la boîte à Escrozzi. Ha ha ha. Ouaf, ouaf, ouaf. En même temps que je voulais écrire à Ciotti, savoir s'il était moins pourri. Moi, les députés, j'aime pas. Je préférais des réputés en République. Pour l'instant, on l'a dans le cul quand même. C'est une vraie, une grosse République. Que des fictifs. Qu'est-ce qu'il sait faire, ton fils? Rien. Bon, on le met à la mairie.